Ou bien quand on prend la main en prison. Ah. Moi, la liberté de quoi? Ah, très bien. Donc, on va parler. Moi, c'est ma force, c'est parler. C'est révéler les stratégies du diable. Satan travaille. Eux, c'est l'ensemble, ils disent que il faut valoriser l'homosexualité parce que dans d'ici 30 ans, il y aura assez de monde sur la planète Terre. Donc, pour ne pas qu'il y ait la procréation, il faut favoriser l'homosexualité. Ça, c'est un plan franc-maçon. Ah, vous ne savez pas ça? Mais je vous donne encore la révélation aujourd'hui. Ça, c'est un plan franc-maçon. Maintenant, vous ne voulez pas que deux personnes vont se marier, deux garçons secs. Aujourd'hui, là, j'ai les traversés peut-être. Mais deux garçons, excusez-moi, tu es du André Barracuda. Tu m'as mis des touches. Non, mais c'est terrible. Et vous voulez adopter quoi, les enfants? Des autres, merci. C'est un plan franc-maçon. Amen. Il y a des choses qui vont être choquées aussi, même dans l'alimentation. Même dans l'alimentation. Chez nous, là, quand on mange poulet, on croque les os. Là, nous, t'as mangé poulet. Ou bien? Ça reste. C'est quand tu finis, tu gardes les os, puis tu manges. Quand tu finis de manger la chair, tu croques les os. Quand tu bois ton eau, tu as mangé poulet. Or, ici, le problème est de dire qu'il faut manger les os parce que ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le poulet chez nous qui fait 9 mois, hein, il est bien en mange. Ici, c'est en 2 semaines. En 2 semaines, il est costaud. C'est produit chimique. On le dose une heure. Or, tout ce qui est chimique, il y a des effets négatifs. Dans l'os en plus. Même dans les gâteaux, vous voyez, et on appelle ça un levure chimique. Mais tout ce qui est chimique, il y a des effets. Donc ça apporte du cancer au fur et à mesure. Les choses que je suis en train de te dire. C'est pour ça que moi, Crasso, tu veux ou pas, ça c'est ton problème. Je mange, je suis encore. C'est ma source de chez nous. Je suis né. Merci, la soeur. Elle m'a invité, elle m'a envoyé une volée. Un bon repas camerounais. J'ai mangé. C'est ça qui nous donne la force. Je ne suis pas contre les blancs, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas contre eux. Une dorée, ça donne assez de force. Tu peux te lever le matin, tu as ton dossier du matin, tu as le réveil si tu veux. Oh, si nous, si tu as mangé le garba, demande aux Ivoiriens. Quand tu manges le garba, les Ivoiriens font ça le blindage, ça te blinde. Un bon blindage, et puis tu es parti. Tu es parti pour la journée, tu oublies midi. Si tu veux te rattraper, c'est peut-être à 17h. Que Dieu nous fortifie. Amen. J'aime ça très fort. Dieu, Jésus-Christ a besoin de chacun d'entre vous. Amen. Pour aller faire développer l'Afrique. Amen. Il y a des esprits, mais Jésus est Seigneur. Amen. Il peut encore vous délivrer. Amen. 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 J'ai l'intention de reprendre un programme la semaine prochaine. Parce que je pense que le week-end prochain, je serai à Florence, en Italie, pour encore notre programme sur l'Italie. Je pars après-demain sur l'Allemagne jusqu'à lundi. Je serai de retour lundi sur Paris. On va essayer de voir comment organiser. Parce qu'il y a des choses qu'on doit vous donner. Amen. Amen. Prenez la Bible. Prenez la Bible. Prenez dans Corinthiens 12, le verset 6. Corinthiens, le chapitre 12, si vous êtes le verset 4 plutôt jusqu'au verset 6. On peut faire la lecture? Si vous y êtes. On y va? Oh bien, non, je lis ça directement. Je ne sais pas où ça s'allume. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4.